pas si vous le voyez au fond. Là. Voilà la bête. Ah bah ça commence bien. Eh bien salut à vous toutes et tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve sur The Dark of the Wheel. Alors j'ai peut-être une petite idée, j'ai aperçu le fameux cerf de Serelaf Great One. Donc eh bien, écoutez, sur cette vidéo, voilà, bon, j'ai pris ce qu'il faut pour le Serelaf. Ainsi que la peau. Et on va tout simplement essayer de le trouver, hein. On va commencer à mettre un peu de pchit. On va partir à la recherche. Je l'avais trouvé au bord de l'eau. Il m'a semblé que c'était lui parce qu'il était énorme. Bon bah écoutez, hein. Croise les doigts. De toute façon, si vous voyez cette vidéo, c'est que je l'ai retrouvé. Allez, c'est parti. Le voilà. Il vient de passer. Il est là. Je sais pas s'il va monter. Crois qu'il est juste en dessous. On va remettre un peu de spray. Essayer de le faire monter. Va pas le spammer non plus. Je sais pas s'il m'a. Où est-ce qu'il se cache? Merde. Ça c'est pas cool. Ok, bon ben je vais essayer de voir si jamais il s'avance un peu parce que là j'ai pas de. Il est là, le voilà. Pas si vous le voyez au fond. Là. Voilà la bête. Donc là il a répondu à la peau. Ce que je vais faire, bien entendu, c'est qu'il s'avance au maximum pour ne pas le louper. Que là, il est assez loin et j'ai pas envie de le foirer. Hein. Je vais pas hésiter sur celui-ci. Voilà. Il doit être derrière la caillasse. Me décaler d'un poil. Ah, elle a l'air magnifique. Il était bien sur le point de ouais. Il avançait vers moi, donc je sais pas s'il va venir sur ma gauche ou s'il va longer vers le bas. Ça, c'est la bonne question. Que là pour l'instant, perdu de vue. Ah. Putain, j'ai eu peur. Écoutez, je vais prendre de la patience et je vais attendre de voir si je le vois. J'espère qu'il n'est pas embêté par les rochers qui sont en dessous. Ouais. Ouais, non, il est pas embêté. Il est là. Il est en mode fuyé. Donc il a fui tout à l'heure. Là, maintenant, il s'avance. Allez, viens, t'es beau.
Donc le spray doit être encore actif, et bien sûr, et ça se barre pas au bout de 30 secondes. Ouais, il y en a d'autres qui répondent, mais ils m'intéressent pas. Allez, monte! Ouais, parce qu'il s'était barré tout à l'heure, donc je sais pas, ça va être un bug parce que c'est écrit toujours fuyez, mais. Mais il vient quand même. Allez, viens, mon brave. Je dirais qu'il a du mal avec ses bros énormes. On dirait qu'il galère. Ou alors ça vient de moi, je sais pas. J'espère qu'il est pas en PLS. Sinon, je vais descendre là, dans ma droite, essayer de lui mettre une balle dans les poumons. Ça va pas être trop compliqué. Là, on voit bien qu'il est qui est en PLS. Celui-là, ça fait un moment que je l'attendais. Hein. Je l'avais aperçu et en effet, ça s'est bien confirmé. On va essayer de descendre par là tranquillement. Donc, comme dit, vous inquiétez pas, si jamais il fuit, de toute façon, il reviendra. Allez, depuis le temps que je te veux. On va pas trop se précipiter. On devrait pas être bien loin là. Ou alors il a fui. Ah non, il est là. Ouais, il y a un souci. Bon bah écoutez. Ah oui, il a pas eu de bol, il était bloqué. Ouais, il arrivait pas à grimper quoi. Donc voilà le fameux Great One. Donc est-ce que maintenant je vais le toucher correctement? Ah, regardez comment il est foutu le sol. Ah, regardez, il devait essayer de monter, mais même moi je galère. Donc voilà la belle bête. Ah, c'est joli ça. Moi je tape pas une bonne position, ma poule. Ouais. Et le voilà. Tacheté légendaire. Il est juste magnifique. Si, si, non, inspecté. Ouais. Avec le feuillage au-dessus. Je le voulais vraiment. J'ai vu des vidéos également parce que je le cherchais. Celui-ci déjà à savoir comment le trouver. Et j'ai vu également des vidéos sur l'ours. Alors, je vous dis pas que ce sera sur la prochaine vidéo, ça va mettre du temps. Mais à savoir que l'ours, c'est pareil, il a plusieurs, apparemment, plusieurs couleurs en tant que légendaire. Bon, bah déjà, quand on fait un légendaire, c'est une tuerie, mais il a plusieurs couleurs. Vous voyez, comme j'avais fait sur l'autre vidéo, j'avais fait deux élans différents. Donc et apparemment il y en aurait peut-être d'autres. Donc voilà. Empaillé.
Voilà. Voilà, bah t'es en paille, les gens. Bah écoutez, je l'ai enfin eu. Bah je suis bien content. N plus. Donc là, il me manque l'ours, et puis après, bah, ce sera à voir avec les couleurs, mais bon. Déjà, comment dire, déjà d'avoir le. D'en avoir fait un, c'est pas mal. Le seul truc qui était dommage sur cette vidéo, malheureusement, c'est qu'il a été. J'aurais aimé qu'il s'approche plus, en fait, tout simplement. Qu'il vienne vers moi. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà. Bon, bah écoutez, c'est ici qu'on se laisse, les gens. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir. Je vous dis à très bientôt. Et puis, comme dit, si vous en voyez un, s'il est à tel endroit, il reviendra à tel endroit avec l'heure. Et s'il fuit, il reviendra sur sa position, en gros, dans 5-10 minutes max. Voilà, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao, les gens.